Parti. Le numéro 22, c'est le rat des patients. Vous ne l'aurez donc pas reconnu, hein, comme tout à l'heure, Maxime Gauthier, masqué, caché. Et il nous présente bel et bien avec Mylène Kipop. C'est une femelle le 20 février. Et le 20 février, je vous rappelle sa date de naissance, Kipop. Et le 20 février, la deuxième génération de son jeune père, Sort de Stars. Un fils de 6 Stars. Il est d'une origine exceptionnelle puisque c'est le neveu de James Posway, lui-même troisième du Derby d'Epsom, gagnant des Great Voltigeur States, stationné au Haras du Lyon. La mère est par Salzbourg, notamment évidemment confirmé que ce soit en plein obstacle que Salzbourg, et qui fait en niveau de passion qui s'est imposé avant de terminer le deuxième du prix des Guiding Group 3. Plus du monde de très bonne qualité, notamment en plat. On va marcher, Mylène, s'il te plaît. C'est la même souche petite qu'on retrouve ici avec Gunnar qui est placé sous la croissance. C'est le tout premier produit de enivrant passion par Salzbourg. Est alors revenu en France l'année dernière. Il avait débuté sa carrière pour Jean-Pierre Dubois. On va voir marcher. Il avait débuté sa carrière pour Jean-Pierre Dubois, donc chez Jean-Pierre Dubois en Normandie. Il a poursuivi ensuite en Irlande, à Limbrook, comme on dit. Et puis il est revenu en France l'année dernière, et on attend quelques mouvements, quelques nouvelles de sa part. Salzbourg. Le père de mère de cette hip-hop, une fille du jeune et talent Storm de Stars, dont les premiers produits sont Burling. Une fille de jeune, donc, puisque un jeune étalon et une jeune plénière. Premier produit de Enivrant Passion, une sœur de Chifa notamment, qui avait gagné. Non, elle était quatrième du prix des Guilis, mais elle avait gagné trois courses. Elle avait gagné une bonne épreuve au Sable d'Olonne, si je me souviens bien. Tokana a gagné le Grand Prix de la QPS. Tout cela, bien sûr, tous ces chevaux entraînés par Alain Petit en personne. Donc, gros désormais.